Vous avez mis votre appartement, votre maison, votre gîte, peu importe, en location courte durée. Et là, à la fin du séjour, surprise, vos locataires refusent de quitter le logement. Est-ce que vous avez le droit de les expulser vous-même? Et comment ça se passe dans ces cas-là? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Salut les polyinvestisseurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant qu'on attaque, je vous invite à télécharger, si ce n'est pas déjà fait, nos 7 heures de formation. On vous offre l'enregistrement de notre dernier séminaire IMO avec Luc. Si ça vous intéresse de le récupérer, ça se passe ici. Vous cliquez et vous nous dites à quelle adresse on vous envoie les accès. Alors, je vous le disais en introduction, on va parler aujourd'hui de la procédure d'expulsion quand vous avez des locataires en location courte durée, location saisonnière, location touristique, c'est la même chose. En gros, vous avez loué votre hébergement pour une certaine durée, un jour, trois jours, un mois, peu importe. Et le jour supposé du départ, de la fin de contrat, vos locataires refusent de quitter le logement, ils restent dedans. Peu importe le prétexte, je suis malade, j'ai pas envie de partir, etc., etc. Et donc la question qui se pose, c'est est-ce que vous avez le droit d'expulser vous-même les locataires? Comment ça se passe? J'ai reçu beaucoup de questions à ce sujet et je vous fais la vidéo parce qu'il y a énormément de personnes qui pensent que parce que vous n'êtes pas sur un bail d'habitation classique, eh bien vous avez la possibilité sans aucun scrupule de mettre vos locataires dehors. Eh bien, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, ce n'est pas le cas. En fait, ce qui se passe, c'est que peu importe que vous soyez sur un bail de location courte durée ou un bail d'habitation classique que vous auriez rompu, qui aurait été terminé, dont on aurait prononcé la fin, la résolution, eh bien, ce qui se passe, c'est que c'est exactement la même chose. Vous avez des locataires qui sont chez vous, alors même s'ils n'ont plus le droit d'y être techniquement, ils n'ont plus de bail, ils n'ont plus de contrat de location, mais ils ne sont pas pour autant considérés comme des squatteurs, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire jouer la procédure d'expulsion accélérée qui est réservée aux squatteurs. Pourquoi? Parce qu'un squatteur, c'est quelqu'un qui est entré chez vous de force, donc soit en forçant la porte, soit en usant de subterfuges, mais ce n'est pas quelqu'un que vous avez laissé rentrer de votre plein gré. Et il se trouve que dans le cas d'une location courte durée, eh bien le locataire, vous l'avez laissé rentrer de votre plein gré, il avait un contrat de location, la problématique se passe après, c'est-à-dire que cette personne ne veut plus quitter le logement. Et donc, dans ces conditions, il y a beaucoup de personnes qui font justice elles-mêmes. Alors, c'est vrai que quand c'était le démarrage de la location courte durée, on ne savait pas trop comment ça se passait. Et puis, bon, voilà, on va se le dire franchement, les gens le faisaient et il n'y avait pas ou peu de réclamations derrière, de choses négatives. Néanmoins, aujourd'hui, que c'est quand même beaucoup plus développé qu'auparavant, les choses sont clarifiées et les règles sont les mêmes. Donc, ce qu'il se passe et ce que vous devez faire si ça vous arrive, pas quelque chose de marrant, mais je vous le dis parce que voilà, il faut quand même être au courant de la procédure. Eh bien, vous devez, dès lors que un locataire refuse de quitter votre logement, enclencher une procédure d'expulsion. Parce qu'en fait, ce qui va se passer si vous ne lancez pas une procédure d'expulsion en bonne et due forme, eh bien, va être considéré, en fait, la personne qui squatte, même si c'est pas considéré comme un squatteur, mais la personne qui reste chez vous, eh bien, en fait, elle va être considérée comme habitant le logement. Et donc, vous ne pourrez rien faire. Donc voilà, surtout, ne traînez pas. La grosse problématique, c'est que comme vous ne pouvez pas bénéficier d'une procédure accélérée puisqu'il ne s'agit pas officiellement de squatter, eh bien c'est une procédure d'expulsion classique qui va avoir lieu. Ça veut dire que ça peut prendre entre 1 et 2 ans pour que vos locataires quittent effectivement le logement. Voilà, donc ça c'est pour la vidéo moins marrante de la série des vidéos qu'on peut vous sortir, mais c'est important que vous le sachiez aussi. Sachez que même si je suis complètement d'accord avec vous que c'est absolument dégueulasse, on va se le dire cash, hein, c'est pas normal, parce que c'est quand même vous la personne lésée dans l'histoire, c'est vous qui êtes propriétaire du logement, c'est vous qui êtes abusé. Sachez que si vous décidez de faire justice vous-même et de mettre vous-même la personne dehors, eh bien vous êtes dans l'illégalité et que je ne vous recommande absolument pas de le faire. Si vous le faites, c'est à vos risques et périls. Quelque chose qui arrive peu fréquemment, malheureusement, c'est comme les impayés de loyer ou les gens qui restent dans le cadre d'une location à l'année. Hein. Quand ça arrive, ça fait pas plaisir parce que c'est long, c'est compliqué. Mais voilà, ce que vous pouvez faire, c'est que si jamais ça vous est déjà arrivé, c'est de nous le dire dans les commentaires, raconter un petit peu votre histoire, qu'est-ce qui s'est passé, le contexte, comment vous avez réussi à vous en sortir, si ça peut venir enrichir la communauté avec un retour d'expérience, c'est toujours bon à prendre. Et si cette vidéo vous a plu, eh bien, cliquez sur le pouce. Pensez à vous abonner et à activer la cloche, ça vous permettra d'être informé dès qu'on publiera une nouvelle vidéo avec Luc. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour une prochaine. Ciao !